Ils disent il y a un DM en français, mais il n'y a pas de DM en français, wesh. Bah si, ça fait 2 semaines que c'est écrit. T'as mis quoi pour la question? Bah je sais plus moi. S'il te plaît, j'essaie de bien faire les choses moi, tu vois. Romantisme, naturalisme, réalisme. Eh bah merci. Puisque je t'ai aidé, tu peux... Salut. Hey, comment ça va mes petites sphères? C'est Senes. On se retrouve pour une vidéo de ne pas rire et aujourd'hui ce sera une spéciale chez Vis épisode 3. Alors pour rappeler, le but est très simple, il suffit de regarder la vidéo avec l'eau dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour me dire dans les commentaires comment te faire rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Super classe. Toi aussi. Tu vas faire quoi du coup le 31? T'étouffes pas hein? J'arrive pas à avoir le fromage. Pardon. T'as du... De quoi? Révolution française et l'empire, du roi à la nation. C'est quoi du roi à la nation? Bah attends, je vais expliquer. Bah c'est quoi, grand A, grand B? Grand A. Il faut préciser, hein. Non mais ça, on n'est pas obligé de l'apprendre en fait. C'est qui t'offre un toit, là? Oublie pas. Bon, en juin 1789, les députés du tiers état... C'est quoi le tiers état? C'est quoi les états généraux? Tu poses trop de questions, là. C'est quoi l'assemblée nationale? Non, mais attends, je vais... Relis ta leçon. Mais ça fait 3 fois que tu me renvoies la relire, là. Je ne veux aucune hésitation, tu la récites par cœur. Mais c'est pas comme ça qu'on apprend. La prof, elle a dit qu'il fallait reformuler avec nos propres mots. C'est toi qui vas m'apprendre? Bac plus 5, mon gars. Je t'écoute, aucune hésitation, hein. En juin 1789, les députés du tiers état se déclarent Assemblée nationale. C'est quoi l'Assemblée nationale? Forme avec le Sénat. Ton éval, elle est à la rentrée, là? Oui. Relis. Comment elle est maintenant? Je te jure, c'est horrible. Je touche du bois. Mais c'est pas du bois, ça. Oh, purée. Tu fais quoi, là? Ah bah, cherche du bois. Pourquoi faire un feu? Mais non, pour le karma. Touche ta tête. Ça marche pas, ça. Ah, je trouve pas de bois. Non, mais comme si ça changeait quelque chose, tu sais. T'es sérieuse, là? Bah oui. Le bois a un magnétisme, il protège du mauvais sort. Mais... On a parlé sur le dos de quelqu'un, là. Tu vas avoir un malheur? Ok. Ah là, on cherche. Donc là, tu réécris la phrase. Tu fais quoi près de mon bureau, là? Rien, petite promenade de santé. Vas-y, continue. Je comprends rien. Montre-moi tes poches. Mes poches? Vous m'accusez de vol, c'est pas beau, hein. Rien. L'autre poche. Attendez. Rien. Vas-y, je t'appelle, là, parce que je suis sur Pronote. Mais casse-toi, je te jure, casse-toi. Connasse. C'est mon frère. Ils disent il y a un DM en français, mais il n'y a pas de DM en français, wesh. Bah si, ça fait 2 semaines que c'est écrit. Tu le kiffes. Oh putain, j'ai pas le sujet, moi. Ah bah, je peux rien faire pour toi. Ah super, tu veux m'aider? Tu peux m'envoyer ton DM sur Snap? Ah, mais c'est mort, j'ai travaillé comme une malade dessus pendant les vacances, c'est mort. Allez, la solidarité, là. Mais c'est mort, j'en ai marre de donner pour les autres alors qu'ils glandent rien. Moi, j'ai des problèmes familiaux. Et alors, moi, mes parents divorcent et ça m'a pas empêché de faire le DM, hein. Ah si, j'ai retrouvé le sujet. Bon, bah voilà. Ouah, la vache, c'est trop dur. Question 1, quels sont les courants du 19e siècle? Bah, tu cherches sur internet. T'as mis quoi pour la question? Bah, je sais plus moi. S'il te plaît, j'essaie de bien faire les choses moi, tu vois. Romantisme, naturalisme, réalisme. Waouh, tu sais plein de choses. Et la question 2? L'auteur montre qu'il est construit sur l'enjeu de l'exception morale. Je peux t'applaudir là parce que... Et la 3? Valjean tombe à la mer. Oh le pauvre. Et la 4? Il passe du statut de bagnard à mer. Eh bah merci. Puisque je t'ai aidé, tu peux... Salut. Il est trop drôle son salut. Puisque je t'ai aidé, tu peux... Salut. Vos résolutions de 2022 pour être les meilleurs profs de l'année. Je suis déjà le meilleur prof. Tu rêves, c'est moi. Moi, arrêtez de virer les élèves des cours. Il t'en reste que 4 à chaque cours. Bah, ils jurent Napoléon, mets-toi ça dans le fion, c'est dur de pas les virer. Jeunesse toxique. Et toi, vertèbre, mettre moins de devoirs. Ouais, 2 pages et demie, on a plus de place pour nous, hein. Mais j'aimerais qu'ils deviennent tous scientifiques. Moi, rendre plus rapidement les copies. Ah ouais, tu mets combien de temps? 2 mois, tu les entends pas se plaindre dans les couloirs et m'insulter tous les noms. Ah, c'est toi la raclure de bidet? Enfin, il corrige pas les copies parce que c'est un flemmard. Et toi, Merguez, faire enfin du sport devant les élèves. Enfin, on arrête d'enfiler son jogging pour rien. Et arriver à l'heure le matin. Ah oui, parce que pour partir à 15h, ça il est à l'heure. Et toi, flan de pain? Arrêtez de jouer à Candy Crush pendant les évals et surveiller la classe, sinon elle part en couille. Honte de l'éducation nationale. Et toi, Morningstar? Moi j'en ai pas, je suis parfaite. Bon, ok, être moins sévère. Non, mais c'est la même résolution tous les ans. Bah j'essaye de progresser. T'as mis combien d'heures de colle cette année déjà? 322. Ah oui, il y a une volonté de changer, oui. Je t'ai demandé ton avis, toi, face de gnome. Et toi, porcuite? Moi? Eh bien, moi. Savoir jouer du triangle. Tracez donc un segment de 25 cm. Comme ma tub. Ah non, alors là, ça va pas le faire. Non, mais le blaireau, quoi. C'est pas de ma faute, hein. Haha, c'est très drôle, hein. C'est pas la taille de l'épée qui compte, c'est comment tu t'en sers. Pon, pon, pon. Mais ça va pas. Les boulous. Mais vous savez ce que ça veut dire? Bah, ah bah ça y est, ça va. Je programme une intervention de l'infirmière. C'est parti. Allez.
Tu veux aller devant? Non, non, vas-y, je te laisse ce plaisir. Non, moi ça me dérange pas. Hein. Moi non plus, ça me dérange pas d'être à l'arrière. Non, vas-y, je peux me serrer à l'arrière. Non, mais c'est pas pratique, t'es plus grand, tu vas être serré à l'arrière. Non, vas-y, honneur aux dames. Non, honneur aux gentlemen. Non, non, vas-y, j'insiste. Non, vas-y, toi. Bon, on y va, j'ai pas tout l'après-midi. Bon. Et donc, vous faites quoi dans la vie? Dealer. Et toi? Courtier. Morale, je te laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et ton grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des spasmes. Des spasmes, sitôt? Despacito. Appelez-moi les urgences psychiatriques, s'il vous plaît. Ouais, le monde est méchant, ouais. Alors c'est quoi, litote, allitération, métaphore? Répétition. Oui, et pourquoi il répète? Pour combler les blancs. Il appuie ses propos, les gens sont profondément méchants, ils souffrent. Ils souffrent de quoi, Paris Balian en first class? Sentez la colère avec cet attribut du sujet, il est vraiment très énervé quand il écrit ça. Moi je sens la colère, je le comprends. Mais comment peut-on prouver son énervement? Faut prouver. Ça fait 4 mois qu'on travaille pour le brevet, évidemment qu'il faut prouver cette colère. On recopie le passage. Bah en regardant le clip. Vous le trouvez pas énervé? Moi je le croise dans la rue, je pleure. Et il est dans quel véhicule? Un avion assez classe. Oui, et pourquoi? Eh bien pour foutre le seum. Et y'a qui d'autre dans le clip? Des meufs. Un yinche. Parfaitement, un yinche. Et il a l'air gentil. Oui. Ça veut dire qu'il l'éduque bien, d'où sa phrase. Il pense que tout est permis, ça va les amender. Ça prouve que c'est un mec bien en fait. Ah d'accord. Je peux pas faire comme si j'avais pas d'échange et Yombé Paris. La particularité de cette phrase. Mi-temps, mes sphères. J'ai rigolé une fois. Franchement, ce sketch qui était trop drôle, c'est celui avec le blabla car, où ils veulent pas aller devant, et que du coup, le mec, il se retrouve devant, et qu'il doit taper la discute au conducteur. Et c'est trop marrant quand il se retourne et que la meuf, elle lui fait un coucou. Franchement, cette scène a été trop drôle. Et vous, mes sphères, qu'est-ce qui vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Là, vous mettez le résultat. Oui, mais du coup, le résultat, c'est 10 ou 15. Bah, l'équation du premier degré AX égale bêta où A n'est pas égal à 0 admet une racine simple, à savoir moins bêta fois alpha divisé par omicron. Alerte Covid. Ouais, mais le résultat, c'est 10 ou 15. Bah, après, on résout l'équation produit où bêta égale une inconnue qui n'est pas connue et qu'on doit trouver par la factorisation de deux inconnues qui, elles, sont ajoutées à l'équation produit inclus dans la fonction affine du repère ortonormé. Et pour savoir si c'est 10 ou 15, tu factorises et tu multiplies par bêta et oméga pour ensuite la diviser par A qui n'est pas égal à 0 pour avoir directement la racine de ce nombre. Je veux juste savoir la réponse, moi, en fait. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Ouais. Du coup, c'est 10 ou 15 la réponse? 15. Merci. Et tout ce qu'un atome a des constituants. Des 420 avant Jésus-Christ, Démocrite a l'intuition de l'existence des atomes. C'est vraiment très incroyable à l'époque. Ceux-ci sont très petits, de différentes formes. Petit. Et s'associent pour former les objets qui nous entourent. Mais Aristote conteste cette existence. Il faudra attendre un certain moment. Il faut attendre le début du 19e siècle. Mon Lucas, je te ramène. Merci. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Comment elle va, la maman? Elle va bien. Faut que je lui envoie un SMS pour la réunion tupperware. Je suis trop contente de mon 18 ans d'histoire, n'empêche. Ah, vous avez reçu vos notes d'histoire? Trop tard. Désolée. T'as eu combien, Nanou? T'es pas censée écouter nos conversations, maman. T'as eu combien? Bah, une certaine note. 18 comme Lucas? Non, c'est pas 18, non. 19? Pas vraiment non plus. Je crois qu'elle a eu 19. 19, mais c'est super! Mais t'es malade de mentir, je vais me faire tuer. Ah ouais, merde. Tu me montres ça dès qu'on arrive. Oh, ma mère, elle a complété le papier rendez-vous parent-prof, elle veut voir tous les profs. Il y a une rencontre parent-prof? Ouais, vite fait, ouais, mais enfin, comme t'as pas les horaires qui correspondent, tu finis trop tard, je t'ai pas donné. Ah, mais j'étais pas au courant, moi. Mais si, je te l'ai dit la dernière fois. Mais tu sais bien que je peux m'organiser et finir plus tôt. Ah, je savais pas. T'as fait le DM pour demain? Un DM pour demain? 3, 4. Faut que je roule un joint là. Plus sensible encore. Faut que je roule un joint là. Faut que je roule un joint là. Non, mime, ça va t'aider. Faut que je roule un joint là. Tu l'as. Ok, Laura, tu prends la suite. Toute ma con, je fais la calciner au quartier. Smoke. Ah oui, j'ai oublié. Vous assurez pas là. Mais ça va trop vite. Vous m'avez demandé du rap, vous avez du rap. Moi, j'ai pas demandé de rap. Hein. Bon, on reprend Petrouchka, on va changer. Allez Thomas, tu commences, tu te rappelles? Dans la zone, nanana. Dans la zone, on vend la drogue, ça fait TP, ça crie ara. Moins factuel. Dans la zone, on vend la drogue, ça fait TP, ça crie ara. Martin, à toi. Dans le hall, je suis sous plis, je suis sous dust, dans la vodka. Julie. RS3, 4 cagoules, un traceur, change de laquin. La Fakivine. Sac Chanel, un donne le go, Magadji, c'est Petrouchka. Plus gracieux, Magadji, c'est Petrouchka. Camille, à toi. Je fais des boulettes, c'est des cratères, normal, c'est de l'infrappe. Évaluation la semaine prochaine. Et donc, dans la consigne, c'est chercher les définitions des mots. Donc vous avez à votre disposition un dictionnaire ainsi qu'un ordinateur. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi elle me fixe comme ça? Bah vas-y, réponds, elle te pose la question. C'est pour toute la classe, bouffou. Elle fait que de te regarder, regarde. C'est à toi que je pose la question, Mathias. Je te l'avais dit.
Mais arrête! Trop beau tes crayons. Marwan, je te jure, rends-les-moi. Bon, c'est pas fini, vous deux, là? Mais c'est lui, là, il m'embête, il arrête pas de prendre mes stylos. N'importe quoi, hein. On cherche pas, c'est qu'il est amoureux. Ouais, mais elle est ouf, elle. Bah si, c'est la technique des jeunes, ça a dragué en embêtant, mais je crois que vous avez pas compris. Mais ouais, jamais de la vie. Pourquoi tu lui prends ses stylos alors? T'as jamais de cahier, t'écris pas? Mais, je sais pas, moi, je m'ennuie. Oui, donc traduction, j'ai pas assez confiance en moi pour te montrer que tu me plais. Bolos. Mais là, prends tes stylos, Burke. Il est vraiment très amoureux, là. Elle me dégoûte, wesh. Oh là là, ça dégouline l'amour. Je veux savoir pourquoi il y a beaucoup d'absents chez les 3C. Bah, ils sont malades. C'est ce que tu crois. Toi, tu le sais? Oui. Sorcière. Sur Amstramgram, les histoires durent 24 heures. Des stories. Et dans ces histoires, on peut voir ce qu'ils font. C'est vraiment une fouine. Ils font des choses, vous n'avez même pas idée. Mais ils rentrent pas chez eux après les cours et se couchent pas à 21h? T'es vraiment trop naïf. Toi, on n'est plus dans les années 50. Hein. Moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Oh, mais comment t'as trouvé leur compte? Parce que tu crois que c'est dur, Julien Le BG, le glandeur du 36. C'est pas eux, tu crois? Ils t'ont pas reconnu? Non, j'ai mis une hyène en photo de profil. Mais t'as vu quoi? Ils ont fait une grosse soirée jusqu'à 4h du matin. Une soirée un lundi soir? Oui, c'est pour ça que ce matin ils sont pas là. Mais non. Regardez l'histoire. Oh! Montre. Musique à fond, insulte sur insulte, fumée. Ils faisaient sûrement un barbecue. Un barbecue, oui, certainement. Ça veut dire que s'ils mettent en motif malade, on saura que c'est faux. Tenez. Pourquoi t'étais absent hier? J'étais malade. Tiens donc. Tracez le triangle rectangle au crayon de papier. On ne trace pas la figure au stylo, c'est au crayon de papier. Combien de fois est-ce que je vais devoir vous le dire? Mais c'est un stylo qui gomme. Si c'est effaçable. L'élève m'a dragué. Qu'est-ce qu'elle a fumé, elle, encore, ce midi? Je vous jure. Et tu le trouves comment? T'es malade, j'étais hyper mal à l'aise. Mais ça va pas, non? Bah, Brigitte, elle s'est pas posée de questions, hein. Tiens, raconte. C'était Mathieu le Bigleux. Non, c'était Kevin des 3H. Un rendez-vous chez l'ophtalmo s'impose. Il est venu à la fin du cours, il me dit, tout gêné, vous avez Snap? Snap? Je lui réponds que même si je l'avais, je lui donnerais pas. Et là, il me dit... C'est quoi, Snap? Pour envoyer des chats sur le téléphone. Des chats? Il fait du trafic d'animaux? Mais non. Il me demande après si j'ai Insta. Alors moi, je lui donne pas. Et là, après, il me demande mon numéro. Tranquille, il croit qu'il a sa chance, lui. Bah, Manu, il a tenté, hein. Il a gégé, le petit Manu. Ça m'est jamais arrivé à moi, ça. On comprend pourquoi. Parce que toi, ça t'est arrivé, peut-être. Les élèves qui me draguent? Pff, c'est tous les jours. Photo de classe pour chacun de vos groupes. Ah, je les attendais. Donc, les 5D, merci. Les 3F. Et les 4B. Ah, je veux voir leur tête. Ils ont mis les survêtes. Pour rappel, c'est 8 euros. 8 balles pour ça? Faut bien remplir les caisses. Moi, je suis parent, j'achète pas. Bah, ils sont pris en photo devant tout le monde. Tu t'apprêtes ton plus beau sourire, toi. Chasser le naturel, il revient au galop. Ils verront ces photos dans 20 ans et ils se diront « Oh, c'était la prof de musique, elle était trop gentille. » Ils se diront « Qu'est-ce qu'elle nous a fait chier, oui. » Oh, punaise, ils sortent de prison ou quoi? Ils peuvent pas avoir l'air gentils sur les photos. Ils se diront « Ah, oh, les cours de musique, ça nous manque. » C'est qui est en coupe déjà dans les 4B? Attends, c'est ta classe principale et tu connais pas les coupes? C'est qui que j'analyse? Mathéo et Julia, je les ai vus en EBS. Ça donnerait quoi comme bébé, ça? T'es malade? Bah après, ils vont chez Bibi, hein, faut que je sache à quoi je vais avoir affaire. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Chevis, et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles données. Ciao mes sphères.